commence à lui raconter, c'est là-bas que les bonnes qu'il disait. Et un directeur d'une société voulait recruter un secrétaire comptable. Dans sa, dans la société. C'était une société d'État. Alors, il y avait pris un ami dans ce journal. Les jeunes venaient pour faire ce concours-là, le CESA oral. Alors, près du temps, il voit là-bas le monsieur avec qui cherche du travail. Il trouve près de 30 bonhommes en train d'attendre. Moi, il fait appel au premier directeur de la société, face à sa secrétaire particulière. Bon, il lui pose la question que je la dirai après. Alors, quand il lui pose la question, il est le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Et l'autre, là, il était le 30e ou le 29e. Là, il attendait. Il ne reste que trois. Alors, à chaque fois que ce mot, il leur dit, j'ai échoué. C'est pas la peine. N'importe qui lui rentre et sauté, il a échoué. Bon, du moment que lui, il était le 30e, il a demandé au 28e bonhomme, il a demandé comment tu as échoué. Il me dit, j'ai échoué. Et qu'il a dit, quelle était la question? Après, il m'avait dit de conjuguer le verbe manger aux personnes d'indicatif. Après, qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, je mange, 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 je mange. C'est ça. Il me dit, c'est ça. Bon, il fait la chaîne, quoi. Le 29e passe, il est sous. Il revient à lui, le 30e, bien entendu. Bonjour monsieur le directeur. Bonjour mon fils. Qu'est-ce qu'il fait? Oui. Alors il a passé le test, oui, monsieur le directeur. Conjugue-moi le verbe présent au présent de l'indicatif. Mais oui, monsieur le directeur. Monsieur le directeur, je commence. Oui, mon fils, allez. Je mange, monsieur le directeur. Tu manges, 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 tu manges. Je mange, monsieur le directeur. Tu manges, tu manges, tu manges. Tu manges, tu manges, tu manges, tu manges, tu manges, tu manges, je mange, monsieur le directeur. Alors il a commencé tout l'âge de manger, tu manges, tu manges, tu manges, tu manges, tu manges. Quand il va éclater, il me dit, mais ça suffit pour lui ce bonhomme-là, il n'a pas encore fait tout le temps. Il a mangé, il a peut-être pas mangé. Il y a une manette. Il y a une manette qui est le maître là, il a comme la manette de pain, monsieur le directeur. Allez, il commence à rigoler le il était rigoureux dans son culture, dans son travail. Il aimait beaucoup ce qu'il faisait. Et comme j'ai dit, il aimait beaucoup les jeunes. Il faisait des recherches, il lisait beaucoup. Voilà, c'est ce que je connais de lui. Et comme je suis de Tijdit, dans le quartier où il est né, dans le quartier. Pourtant, d'ailleurs, quand le fait ou non, le théâtre a servi beaucoup à une démocratie constructive. J'aimerais savoir qui lui. C'est un animateur de la façon Israël de Moussakanem et en même temps c'est un réalisateur de cinéma, c'est un homme qui est capable et il est en train de former des jeunes. Le jumeau de la Fafi, c'est Rahman Kaki, le Moussara Alaoui, le Wilayat Moussara. Le Moussara Moussara, il est assou d'Abdel Rahman Kaki, c'est Abdel Hamid Jirali. هذا المسرح في مستغالم بقى ذكرى كل عام يندهر كان مسرح هاوي دورة 33 أما دورة 34 و35 أساس سي جمال بالطبر هو ورفقة زملائه وروح المهرجان Es eso, es un viaje de un héroe árabe como es el Sacri Quraysh que retorna al siglo XXI. Este grupo se llama Quraysh, grupo. Sí, se dice Kabila. Kabila Quraysh. Eso. Bueno, le agradezco de todo y muchas gracias y felicidades. Vale, gracias a Raúl. Gracias. Vale, hasta luego, nos vamos.
Et pour moi, c'est une chance de revenir. C'est 25 ans que t'es venu au Festival de Mistaganem. 25 ans après, je reviens. Là, je vois des spectacles. Ce qui m'a plu, c'est de voir aussi les échanges entre les comédiennes des différentes nationalités. Le premier jour, il y avait les Espagnols, les Français avec les Syriens, qui s'échangeaient la façon de faire de la musique et qui essayaient de faire de la musique ensemble à l'automne. Donc, il y a le festival avec les spectacles et puis il y a tout ce qui se passe autour à côté, les amitiés, les rencontres et les contacts. Et je crois que ça, c'est important, puis ça permet aussi aux jeunes Algériens d'être en contact avec d'autres jeunes. Et cette ouverture me paraît, moi, très bénéfique. Et il faut la poursuivre. C'est plus Mokadem ? Oui. Tout d'abord, je remercie Arlette de l'importance et le message de mon maître, Henri Cordeau et Yvette Orlavie. C'est que j'ai ressenti quelque chose qui m'a donné beaucoup de satisfaction, mais chose qu'elle m'a touché, la maladie d'Henri Cordeau. Je lui souhaite un prompt rétablissement et pour Arlette aussi du service qu'elle a apporté à la culture. Et la terre algérienne, comme les comédiens algériens, vous souhaite la bienvenue chez vous. Chez vous, c'est vous ici. Voilà, je sais, c'est votre pays. Et je reçois toujours les gens avec ses deux bras ouverts. Et elle continue à le faire. Et nous sommes en train de vivre une chose qu'on ne va pas l'oublier. Parce qu'il y a un festival qui rassemble tout le monde. Et ce monde sera rassemblé par la culture et par autre chose. Et bravo aux organisateurs et à tous les assistants qui sont venus ici et donner cette satisfaction à Mostaganem et au peuple algérien. Merci. شاركنا هنا بمسرحية 10-19 في الان يعني في المنافسة شاركنا بمسرحية دم الحب اللي هي غادي تجوز اليوم. زادني تشطاني واحد النهار بغيت نولي له بلي انا راجل ومن سعد فيك من امل ونطحت الحيطه مادام ينطح فيهم مادام يضحك مادام يضحك مادام نطح ننطح ننطح خليت جبت روحي كيفاش تحبها الا ما شتهاش كون بلي كانت تحبني بزاف كانت تقول واه والمهرجان بدا يحسن شويه بشويه ونتمنى ان شاء الله يواصلوا المسيره هذه والمره الجايه ان شاء الله يكون احسن من هذا المهرجان وكل عام والحمد لله ما قلتش لي ديبك تي البس البي قالوا بي البي أراكم تحلموا أول قلبي لله